Oui. Et vous avez mal depuis combien de temps? Lundi, bon. Est-ce que vous portez des lunettes? Non. Non, ben alors il faudrait peut-être vérifier. Oui, c'est sans doute ça. Oui, ça peut expliquer les vertiges. Tout à fait. D'accord. Écoutez, je vais regarder ce que je peux faire. Alors, attendez. Alice, il faut que je te parle. Oui. Je peux vous proposer mercredi dans la matinée. Non? Alors ça va reporter à jeudi. Non, mardi, moi je ne peux pas. Non. Non, mais je comprends. Alice, c'est une urgence. Oui. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Écoutez, le plus simple, c'est que je vous passe ma secrétaire. Vous verrez ça avec elle. Oui, voilà. Rappelez sur le standard et vous tomberez directement sur elle. Elle vous dira tout ça. Ben, je vous remercie. Mais je vous en prie. Au revoir, à jeudi. Et tu débarques comme ça dans le cabinet, toi, maintenant. C'est une urgence. Je sais que ta salade d'attente est pleine, je le sais. J'ai beaucoup de retard. Oui, mais j'ai besoin de te parler 2 minutes, 2 minutes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as parlé à Paul? Je te demande si tu as parlé à Paul. Mais de quoi? À ton avis? Mais pourquoi tu me poses cette question? J'étais avec lui là, à l'instant, en tennis. Il sait. Mais c'est quoi? Il sait. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, des insinuations, mais je sais qu'il sait. Des insinuations. Mais Oui. qu'est-ce qu'il a insinué? Hein? Mais Michel. toi, tu ne lui as rien dit? La dernière fois qu'on s'est vu, tu n'arrêtais pas de dire que tu voulais tout lui dire. Michel, tu ne peux pas débarquer comme ça à mon cabinet. Pas comme ça. Si tu as besoin de me voir, tu prends rendez-vous. Mais pas comme ça, pas dans mon lieu de travail. C'est pas possible. Je suis désolée, je ne pouvais pas attendre. Quoi? J'ai besoin de savoir. Mais qu'est-ce qu'il a insinué? Rien, il avait dit que tu étais très douce, très présente. Et alors? Je ne sais pas les mots qu'il a employés, mais c'est comme s'il m'adressait un reproche. À toi. Oui, c'est-à-dire. C'est pour ça qu'il avait l'impression que tu le trempais. C'est ce qu'il t'a dit. Oui, comme quoi tu étais très. Tu en faisais trop avec lui, tu te sentais mal à l'aise, bref, que tu avais quelque chose à te reprocher. Et il t'a rien dit d'autre. Non, rien de précis. Oh, il paraît qu'il t'a battu au tennis. Mais quel est le rapport? Bah, parce que je croyais que tu étais meilleur que lui. Mais je suis meilleur que lui, mais ça n'a rien à voir. Tu as entendu ce que j'ai dit? Il sait, Alice, il sait tout. Allonge-toi là et détends-toi un peu. Mais je n'ai pas envie de m'allonger. Comment veux-tu que je me détende? Il a tout Mais découvert. non, il n'a rien Mais découvert. si, il a tout découvert. Il a tout découvert. Il faut qu'on parle, Alice. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On ne peut plus continuer à se voir dans ces conditions. Il a appelé ma femme au téléphone. Tu te rends compte? Il a appelé sur le fixe ma femme. Mais ce n'est pas possible. Non. Tu comprends? Oui. Il faut que tu comprennes. Mais je t'ai dit, je comprends. Mais c'est trop dangereux. Il faut. On serait mieux, plus sage que de s'en tenir à te décider ensemble. Écoute, ma salle d'attente est pleine. Ils attendront bien 5 minutes, ça sert à ça une salle d'attente, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais savoir si tu lui as parlé de nous. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change tout? Ben, je croyais que tu ne t'intéressais pas à la vérité. Mais Alice, je voudrais savoir qu'est-ce que tu lui as dit. Est-ce que tu lui as dit que tu le trempais? Je le savais, je le savais. Moi, je pouvais plus faire autrement. Je le savais. Non, je pouvais pas continuer à lui mentir, c'était pas possible. Mais tu m'avais promis que je ne lui dirais rien. Oui, mais tu sais, l'autre jour, quand je suis rentrée, il m'a regardée avec un air. Il savait que je n'étais pas allée
Je n'étais pas allée chez ma tante, il le savait. Moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Oh, j'ai pas soutenu son regard. Mais... Je me suis mise à pleurer, j'ai tout dit, voilà. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Je veux dire, tu ne lui as pas dit que c'était avec moi. Ben, on a parlé une partie de la nuit. Mais je devais bien une explication, tu crois pas? Oui, oui, si tu veux, mais tu lui as dit que c'était avec moi? Bah, évidemment. Tu veux dire qu'il sait que tout à l'heure au tennis, il a fait comme si de rien n'était, il savait? Oui. On a joué au tennis, on a ri ensemble, on a pris un verre après, on a bavardé tranquillement comme des amis. Et il savait? Oui. Ah, quel salaud! Michel! Et dire qu'il se prétend mon meilleur ami, on ne peut se fier à personne, pas même à son meilleur ami. Enfin, tu crois pas que t'inverses un peu les rôles? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit à propos de moi? Moi, rien. Comment ça, rien? Ben, je te dis, il a rien dit. Dis-moi la vérité, Annie, ça suffit, les mensonges. Tu lui dis que tu te couchais avec son meilleur ami, il n'a rien dit? Il a juste dit qu'il le savait depuis longtemps. Quoi? Ben, il le savait depuis des mois et il a dit qu'il était enfin soulagé que je lui dise la vérité. Il savait depuis des mois? C'est ce qu'il m'a dit. Il savait depuis des mois quoi? Que je couchais avec toi, c'est ça qu'il est en train de me dire? Oui, il le savait depuis le début. Mais enfin, c'est pas possible, Alice. De toute façon, il faut que j'aille le voir. Quoi? Il faut qu'on s'explique. Il est où, là? Il est chez vous? Ben, oui. Il faut que j'aille le voir. Maintenant? Ah oh, non, mais Michel, je crois pas que ça soit une bonne idée. Hein. Pourquoi je ne vais pas faire comme si de rien n'était? Ah ben si, justement, tu fais comme si de rien n'était. Et les choses rentreront dans l'ordre. Simplement, en douceur. Mais ce n'est pas possible, Alice. Ouvre les yeux. On ne peut pas échapper, lui et moi, à une explication. Tu te rends compte? Ça fait 6 mois... qu'il me ment, c'est moi qu'il ment à son meilleur ami. Non, Michel, crois-moi, vraiment, crois-moi, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Pourquoi ce ne serait pas une bonne idée? Ben, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est vraiment pas une bonne idée.